La Hyundai Ioniq électrique est bien connue sur le marché mauricien. Depuis peu, la marque coréenne propose également une version hybride de cette berline. Elle dispose d'un moteur de 1,6 litre essence associé à un bloc électrique. Hyundai est l'une des marques préférées des Mauriciens. Pourtant, le constructeur coréen n'avait jusque-là aucune voiture hybride dans sa gamme. Le concessionnaire Bamerys Motors a donc fait le choix d'importer une version hybride de la Hyundai Ioniq. Cette berline hybride se démarque peu de la version électrique au niveau du design. Il y a tout de même la calandre ouverte alors que celle de la version électrique est fermée car elle n'a pas besoin de refroidissement. La face avant de la Hyundai Ioniq a les touches de modernité, notamment dans les phares avec ses lignes bleues et également cette coupe bleue qui est ici en bas du bouclier, mais dans l'ensemble est très consensuel, au contraire à l'arrière qui a un design plus osé, plus dynamique, avec par exemple ce béquet qui coupe la lunette en deux, mais également des feux plus travaillés et la ligne bleue de l'avant qui revient cette fois à l'arrière en bas du bouclier. Les côtés de la voiture sont sobres. Il y a bien une ligne de toit légèrement plongeante qui donne une impression de dynamisme, mais à part cela, rien ne saute aux yeux. Au premier regard, les jantes semblent de qualité, avec leur design dynamique. Mais il faut se pencher dessus pour constater que ce sont en fait des enjoliveurs en plastique qui couvrent des jantes basiques. À l'intérieur de notre modèle d'essai, c'est le confort qui prime. Hyundai continue sa montée en gamme. La sellerie est en cuir, dont la couleur est assortie à celle du tableau de bord. Le siège chauffeur est le seul à disposer d'un réglage électrique. Notre modèle d'essai dispose aussi du toit ouvrant qui donne de la luminosité à l'habitacle. Le tableau de bord est équipé d'un écran tactile, mais avec des fonctions assez limitées. Il sert entre autres à la radio et à l'affichage de la caméra de recul. On apprécie particulièrement l'affichage numérique des compteurs. En mode normal, seule la vitesse est affichée, il n'y a pas de contour. Mais en mode sport, l'aiguille indique le régime moteur et la vitesse est affichée en chiffres au centre. Les passagers arrière sont bien lotis, avec de l'espace aux jambes et à la tête. Quant au coffre, il dispose d'un volume de 457 litres. Il est facile d'y charger de volumineux objets, car l'ouverture se fait par un hayon. Le démarrage de la Hyundai Ioniq hybride se fait sans la clé, mais aussi sans bruit. La particularité d'une voiture hybride, c'est le silence. Lors des manœuvres, comme ici en marche arrière, c'est le moteur électrique qui propulse la voiture. C'est également lui qui fait démarrer la voiture jusqu'à une certaine vitesse où le moteur essence prend le relais. À partir d'une certaine vitesse, le moteur à essence de 1,6 litre à 4 cylindres se déclenche. Le bloc électrique lui vient en aide lors des fortes accélérations. Les décélérations et les freinages rechargent la batterie du moteur électrique. Il n'est pas possible de sélectionner manuellement la conduite 100% électrique. Le tableau de bord indique à gauche du compteur si la batterie se recharge, si la conduite est économique ou si le moteur électrique supporte le moteur à essence pour un gain de puissance. De l'autre côté apparaît le niveau de charge de la batterie. Lors de notre essai d'environ 100 km, la batterie ne s'est pas déchargée. Elle a même gagné de l'énergie à certains moments. Pour tenter de la décharger, il faut passer en mode sport. Pour cela, il suffit de passer la boîte de vitesse automatique à 6 rapports en mode séquentiel. Le compteur passe alors du vert et bleu au rouge et orange. Les accélérations sont plus franches. Mais l'auto garde ses suspensions souples. La Hyundai Ioniq hybride est avant tout une voiture confortable. En mode normal, elle est presque apaisante. Les aspérités de la route ne se font presque pas ressentir à l'intérieur de l'habitacle. La tenue de route est bonne, tout comme le freinage. Avec une puissance de 141 chevaux, une accélération annoncée de 10,8 secondes pour passer de 0 à 100 km par heure et une vitesse de pointe de 185 km par heure, ce ne sont pas les performances sportives qui sont les principaux atouts de la berline. Notons que grâce à la motorisation hybride, la marque coréenne annonce une consommation mixte de 3,4 litres aux 100 km. La Hyundai Ioniq hybride est une berline confortable et agréable à vivre au quotidien. Elle est spacieuse et sait se montrer économique. Le mode sport permet de la rendre un peu plus nerveuse, même si la puissance n'est pas son point fort.
mais en achetant une hybride, les clients ne recherchent généralement pas la puissance. La Hyundai Ioniq hybride est disponible en prix de lancement à 1 295 000 roupies.